Première journée de tournage, passer une journée dehors dans la chaleur et l'humidité. Rencontre avec Catherine Deneuve, situation excitante. Je vais travailler beaucoup, le soleil se couche rapidement. Le matin, la brume matinale dure longtemps. Jeudi 20, une première journée passée. Cette maison coloniale est superbe. J'ai fait peu d'images, mais c'était mon arrivée. Une erreur de bruit photo sur la première scène. Catherine Deneuve m'a salué, puis oublié. Vendredi 21, c'est le tournage de la scène bal, de nuit. On a commencé par la montée des escaliers, au soleil couchant. Il y a beaucoup de figurants. La lumière est belle. Catherine Deneuve est très présente et maîtrise beaucoup. Parfois, elle vient me voir pour ne pas être photographiée dans une scène. Je me sens plus à l'aise. Vendredi 28, une semaine est passée, de retour à l'usine à latex, j'ai aimé photographier. Les plantations sont un lieu de beauté et de souffrance. Chaque évera est saigné, un bol où coule la sève. Vincent Pérez est plus jeune que moi. Il a fait une école de photographie. Nous avons de bonnes relations et je sais qu'il est intéressé par de beaux portraits. Je vais sans doute choisir ce costume blanc. Il est inquiet, ce rôle sera important pour son avenir. Vendredi 5 juillet, retour du village. La scène du feu. Tout a brûlé, comme prévu. Catherine m'a demandé de ne pas photographier, mais je l'ai fait quand même. La scène est belle. Catherine passe entre deux maisons en feu. Les brindilles touchent ses cheveux. Elle est courageuse et va au bout. Samedi 6 juillet, 2h du matin. Scène de rue avec Jean-Yann. Catherine est belle, avec cet ensemble bleu et son chapeau bleu nuit. J'ai réussi à monter sur le décor et prendre toute la scène en incluant la caméra et la lumière. Photographier le cinéma, ce n'est pas une question de faire de belles photos. On est supposé savoir le faire. Mais avoir le droit de le faire. Entre les acteurs, réalisateurs, preneurs de son. Le cinéma est une immense surface de jeu. Chacun y trouve sa place. Lundi 8 juillet, Kuala Lumpur. Je quitte la Malaisie. Retrouve Vincent Pérez et Henri Marteau à l'aéroport. Avant de partir, j'ai écrit une courte lettre à Catherine Deneuve, juste pour continuer à travailler avec elle pour la couverture. J'espère avoir fait un bon travail pour Régis et pour Jean-Pierre. Paris, 20 novembre 1991. Aujourd'hui, couverture Studio Magazine, au Studio Astre. Beaucoup de monde sur le plateau. Équipe de communication, maquilleur, coiffeur, deux assistants, Jean-Pierre Lavoignin. Il faut prendre sa place et s'imposer. Catherine Deneuve se connaît parfaitement. Elle maîtrise la lumière. Sentiment d'un rendez-vous pro entre pros.
Cette photo est au croisement de la personnalité de Catherine Deneuve et de mon savoir en studio.